la situation du quartier de Kembo. Dites-moi, c'est un bon exemple parce que juste sur le boulevard, voyez-vous-même comment ça se passe. La nuit comme le jour, il y a l'insécurité qui est abominable. On rencontre des braqueurs nuit et jour. Nuit et jour, quelles que soient les dispositions que les villageois peuvent prendre, dans les villageois, les habitants du quartier. Bon, les gens boivent. Pourquoi? Parce qu'ils boivent. Ils s'ennuient. Ils s'ennuient. Il n'y a pas de distraction. Il n'y a rien. Rien n'est considéré. Notre envie, c'est de demander l'envie. Il y a déjà l'envie. Ce n'est pas la première fois. Demander aux autorités, et quand même, de réaliser, de nous présenter ce qu'ils nous ont promis. Concrètement, c'est bien beau de parler, mais concrètement, où est-ce qu'on a promis? Boulevard, inondation, ceci ou cela. Bref, je ne dirais pas qu'on tous les gars, on va encore faire comment. Parce qu'on va encore faire masser l'effet de faiblesse. On a quand même le moral malgré tout. Je t'écoute. J'ai grandi ici, le quartier est toujours le même. Le quartier n'a jamais changé. Les conditions de vie n'ont jamais changé. C'est la même chose. Il n'y a plus de loisirs, il n'y a plus de travail, pas le travail. On a promis 5 000 logements encore, on l'a bien vu, il n'y en a jamais vu. On va faire comment? On dénonce, oui. On dénonce ce qui se passe. Tu fais les dossiers, il n'y a rien. Le travail n'est que pour les enfants, les grands types. Quand tu n'es pas ministre, quand tu n'es pas président ou sénateur, tu n'as pas le travail, tu peux te débrouiller de toi-même. Tu es jeune, tu veux manger, à part, tu veux déposer, à part, tu vas faire comment? Je vais les braquer. Comme Don Zella, si ça chantait, chap chap, tous les jeunes se lèvent. On fait quoi? On ne vole pas pourquoi? C'est que le Don Zella nous a bien expliqué, on ne vole pas pourquoi? Il n'y a pas les prises en charge. La CNAM GS, comment on fait la CNAM GS? On a les mamans qui sont là du troisième âge. Ils vont faire comment? Maman s'est déplacée. On ne peut pas se déplacer. Moi j'ai ma grand-mère, elle est à la maison, il n'y a rien. Les factures sortent, mais l'eau, on ne la consomme pas. Donc, c'est un peu ça la triste réalité du quartier, tous ces gars. Il faut organiser la qualité pour combien de stades? Alors, tu peux organiser la qualité pour combien de stades? Faux système. Ça, Olembe, il y en a. Olembe du Gabon, vous sentez pas de la canne. Il n'y a pas l'argent au Gabon, il n'y a pas le travail, vous prenez la canne. Ça va? Il n'y a pas de travail, on fait comprendre ça aux gens, même le petit business que les jeunes gabonais veulent faire. La police vient emmerder, la mairie emmerde, vous voyez comment le marché est vide. On souffre, il n'y a pas de travail. Après, les gens vont commencer à braquer, on dit les petits jeunes gabonais, vous connaissez seulement que braquer qui a arraché les sacs, mais où sont les pour le travail? Il n'y a pas de travail. Vous savez, vous nous voyez là au terrain, on avait cherché comment on peut payer les maisons, comment on peut manger. Baby! Il n'y en a plus même des bricoles comme il y avait avant. On peut aller bricoler le matin, on revient, il n'y en a pas. Il y a des jours même où on fait même 2 jours, 3 jours, tu n'as même pas, même 5 000, même aller manger à la maison. Mais tu es obligé de venir parce que tu ne sais pas quel jour que Dieu peut te donner. Il y a d'autres aussi qui jouent la loi du plus fort, comme le seul la police, c'est tout droit. Par là, tu vas me trouver avec un pantalon déchiré, tu vas me dire tu vas me traiter de bandit, tu vas me traiter de tout, tu vas me traiter de voleur. Il y a même beaucoup de mamans qui passent. L'office passif te voit debout, il s'est dit que tu veux l'arracher son sac. Pourtant, nous ne sommes pas là pour ça. On est là pour chercher quoi manger, pour payer des maisons. Il y a beaucoup qui ont des enfants. C'est tout ce qu'on peut dire aux autorités de nous chercher un peu pour nous occuper. Surtout beaucoup de gens qui n'ont pas de diplôme, ce n'est pas tout le monde qui va aller au Sky. Ici, on a tous le marché, on démarche tout. Les gens qui viennent chercher, qui ne connaissent pas, les villageois qui viennent, peut-être les gens qui sont en province, qui ne connaissent pas le marché de Kembo. On est obligé de les indiquer où peut aller chercher leurs choses, les chaussures, les habits, tout en fait. Le Covid même encore venu gaspiller tout. C'est ça même encore qui est venu gaspiller tout.
même comme nous les démarcheurs, il y avait même des jours où tu peux rentrer à la maison, tu as même un limite à l'époque. Mais depuis que le produit est arrivé, il n'y a rien qui marche. Il n'y a que le confinement qui font qu'ajouter tous les jours le confinement. On ne sait même pas quand le confinement va finir. Le Gabon, les clés, je sais que nous vivions, il paraîtrait que c'est un jour bleu que nous sommes. Ce que nous vivions est incomparable par rapport à la nation. Donc, où en sommes-nous? La question de savoir, est-ce que nous vivions? Est-ce que on ne vit pas? Et pourtant, nous sommes là. Où en sommes-nous? Yes!